Je vais proposer maintenant un travail de recherche mathématique pour les grandes sections. C'est en géométrie, mais c'est surtout la recherche mathématique qui nous intéresse. Les enfants ont appris à se servir d'une règle et d'un crayon, à tracer un trait droit et à s'arrêter entre deux points, à bien commencer du point, à s'arrêter au point, à prendre la règle dans le bon sens, à la tenir fermement. Donc tout ça, vous pouvez le vérifier au fur et à mesure, mais ce n'est pas le centre de la séance. Vous, l'adulte, sur une feuille, vous allez tracer, vous allez faire un point au centre. Alors les points, vous les faites vraiment petits, vous ne faites pas une croix ou vous ne faites pas un gros rond, c'est vraiment un petit point. Donc vous faites un point au centre et vous en faites 5 autour. Pas nécessairement exactement à la même distance, mais pour obtenir à peu près quelque chose comme ça. J'espère qu'on verra bien. Ensuite, vous allez dire à l'enfant, tu vas devoir rechercher tous les tracés possibles entre ces points. Tu vas devoir tracer tous les segments possibles entre les points. Alors, ne montrez pas, surtout pas à l'enfant la suite de la vidéo, parce que là, je vais donner des réponses. Parce que pour l'instant, la première consigne, elle est celle-ci. On trace tous les traits possibles entre les points. Il va falloir relier les points avec toutes les possibilités. Donc, on va voir, je ne vais pas montrer toutes les réponses possibles, mais je vais en montrer certaines. Voilà, j'ai relié tous les points. Alors oui, tu as tracé des segments entre les points, mais il y a d'autres traits possibles. On peut encore tracer des traits, des segments entre les points. Ah oui. Voilà, j'ai tracé tous les traits. Ah non, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore d'autres possibilités. Ne montrez pas trop à votre enfant. Si vraiment il bloque et qu'il dit « Mais non, j'ai tracé tout ce qui était possible », montrez juste un trait suivant. Indiquez avec votre doigt et l'enfant continue. Voilà, là c'est sûr, j'ai tracé tous les traits. Non, il y a encore une possibilité. Là, on commence à en avoir de plus en plus, il en manque encore quelques-uns. À la fin, on obtient une étoile de plus en plus graphique. Évidemment, l'enfant peut ensuite la colorier. Bon travail !